jeu concours sur la réconciliation. Monsieur Tremblay, il a obtenu 296 voix. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé, ceux qui ont bien voulu écrire, parce que c'est pas facile d'écrire et de rendre ces écrits publics. Donc je remercie et je félicite ceux qui l'ont fait. Je félicite notamment les trois gagnants, hein, le premier, le deuxième et le troisième. Ça a été difficile, hein, les membres du jury nous l'ont dit, hein, ça a été très difficile de vous départager. Donc vraiment, je vous félicite tous. Il était question de donner un message afin d'inciter la population à aller dans le sens de la paix, à aller dans le sens de la réconciliation. Et mon message a surtout eu pour originalité le fait qu'il s'adressait à tout le monde. Il prenait des mots « nouchi » du français soutenu et puis certaines expressions, sinon certains mots, certaines phrases de nos ethnies. Et il était question par ce poème d'amener les gens à comprendre que la paix est une richesse. La paix est une graine qu'il faut planter dans le cœur de chacun, qu'il faut cultiver au jour le jour et qu'il faut partager pour qu'on puisse ensemble connaître une certaine tranquillité pour amorcer enfin notre prospérité, notre développement.